On va juste faire attention, pas qu'il y ait des... What? Oh putain, les gars. Oh les gars, vous avez entendu? Oh putain, alors, j'étais prêt à tout, mais alors sauf à ça, en fait. Non, alors ça me fait extrêmement peur. Je suis là en paix, hein. D'ailleurs, si vous avez des noix de coco, Ok, on prend les feuilles de palmier. Oh, encore une feuille séchée, arrête. N'importe quoi. Non mais il se passe quoi là d'un coup là? C'est quoi cette chance que j'ai? Est-ce que je vais avoir 1 million d'abonnés aussi ou ça se passe comment? Parce que si la chance est de mon côté à ce point là, je commence même presque à m'inquiéter. C'est incroyable, c'est comme dans la vraie vie, hein. C'est ma copine qui m'apprend tout, ça fait plaisir. Bah du coup non, j'aimerais bien que tu m'expliques. Comment on fait pour se soigner? Ah ok, il faut que j'allume le feu, mais je fais comment? Je peux pas. Ah d'accord, ok. En fait, si j'ai envie de te faire un bisou, on fait comment? Bon, elle s'en fout, hein. Elle veut absolument qu'on se fasse un petit feu. Over and out. Ok. Et bien évidemment, on termine toujours nos phrases par je t'aime, hein, s'il te plaît. Du coup. Oh oui, j'ai mal. Je suis un bébé cadom. Il faut qu'on ramasse des pierres. En tant que professionnel de la survie, je vous assure que c'est ça ce qu'il faut faire. Mais vraiment. Si jamais je me réveille pas, RIP. Et ben voilà. Et bah voilà. What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Oula. Bon, pas de ça entre nous les amis, mais je pense qu'elle est en train de chercher un sextoy. Bon, du coup, là je pense qu'il faut casser ça, hein. Étant donné que je suis un professionnel de la survie les amis, hein, d'ailleurs j'ai déjà participé sur 5 saisons à Koh-Lanta, pour ceux qui ne le savaient pas. Le problème c'est que je me rappelle que par là, à peu près, hein, y a des babalous qui traînent. Alors on va les appeler des babalous, hein, si ça vous dérange pas, donc les sortes d'indigènes qui chantent, qui font un peu peur. Ah il faut un peu gérer. Ah là j'ai des champignons pourris. Bon on va détruire la pile. Hop. Oh, oh putain. Y'a des babalous. Je me suis fait cramer par un babalou. Par contre ce qui est bien c'est qu'à chaque fois il y a des champignons qui poussent. Et ça c'est cool parce que c'est très bon. Voilà j'adore les champignons. Je suis un... D'ailleurs même dans la vraie vie je suis un grand fan de champignons. Alors bon les champignons trouvés comme ça, sincèrement je pense pas que je les mangerais, hein, pour le coup. Bon c'est bien les sangliers ils ont peur de moi. Ah. Ok j'ai plus d'armes. J'ai plus d'armes. Ok je suis mort. Je suis mort. Oh. Je peux rien faire. Tiens, ta gueule. Ah. Il a peur, il se barre. Ah bah j'ai des parasites. Yes. Grosse ambiance. Alors les parasites, comment ça dégage? Consommer des plantes. Ah bah génial. Manger, hop. Et ben voilà, je mange des feuilles. Comme ça je vomis. Voilà, non seulement j'ai des parasites et maintenant j'ai une intoxication alimentaire. C'est incroyable, tout se passe bien. Allez, je dors. Je vais crever. Je m'en fous. C'est pas grave. Allez. Ensuite, dis-moi qu'est-ce que tu veux là? Tu veux boire? Bah oui. Bah il pleut pas. Donc tu prends ton mal en patience. Ok j'ai des vers sur moi, bon, je vais mourir les gars. Oh je suis mort, ça me fait chier. Ça me fait chier. J'aurais pas un deuxième long bâton, ce serait génial ça. Ah le feu il s'éteint, putain bâtard. I'll contact you if I find anything. Just be careful. Ouais c'est ça, ouais, fais attention. C'est ta faute si je suis là. Non t'inquiète pas, je deviens pas fou. Donc what happened? My lamp went out, I panicked. Pardon ? Attendez, j'ai bien compris. Mais elle se fout de ma... Elle s'est foutue de ma gueule, les gars. Je suis gentil, ne m'attaquez pas, les méchants, si jamais il y en a. Une voiture retournée. You're not gonna believe what I just found. A city made of gold. Ouais. Toujours en train de se foutre de ma gueule. Oh no, it's a jeep. Et ben voilà. Trouver où mène l'ascenseur. Bah, on va voir ça. Oh les gars! Aïe 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 aïe! Une mine d'or illégale. Eh oui, parce que c'est des pays, vous le savez, qui sont quand même exploités. Enfin bref, on va pas parler politique et débat, mais forcément ça fait référence un peu à la vraie vie. Donc continuez à manger du Nutella, vous avez tout compris. Putain, d'ailleurs, il y a des pâtes à tartiner qui sont du Super U sans huile de palme, c'est tellement bon. Bon bref, on n'est pas là pour parler ça. Jus d'orange. Oh là là! Ils se sont mis bien les petits copains. Hey Mia, are you asleep? No, not really. What's up?
nothing, just... Oh, c'est mignon. Je suis terrifié à l'idée que tu passes la nuit là-bas seul. C'est une belle nuit. Oh, c'est mignon. With every update, I get more and more worried about you. Oh, Mia, tu t'inquiètes pour moi, enfin, il était temps. Ah, bah c'est utilisable pour allumer un feu, je pense, c'est séché. Excellent. Oh, on peut bouger l'inventaire. Oh putain, c'est bon ça. Je l'ai eu. Récolté, arrête. Je viens de buter mon premier serpent, les gars. Je suis content parce que c'est ce genre de truc qui arrêtait pas de me mordre dans les premiers épisodes. Oh là, moi je te dépece comme jamais, va te faire foutre. Ok, bah c'est incroyable, je vais totalement perdre ma femme. Ça c'est fait, ça c'est dit. Je découvre des petits endroits là, c'est mignon. En fait, bah ouais. Et là maintenant, il faut vite que je le mette ici. Et ben voilà. Oh Mia, the fire is burning. Eh ouais Mia, t'as vu, j'ai fait ça en deux secondes. Hein. Tout ce que je vais bouffer, je vais dégueuler. C'est pas grave. Faut que ça sorte maintenant. C'est bon ça. Dès qu'on trouve une noix, on pourra la prendre. Oh, des bananes. Excellent, allez. Ah, un serpent. Bon, bah voilà, je suis mort. Vraiment, ce jeu est méga hardcore. Ah, on va faire notre petite tambouille, hein, comme on dit. Et on va se droguer pour voir. La drogue, c'est très mal, les enfants, d'ailleurs, n'oubliez pas. Wow. Oh ouais, vive la drogue. Hein. Mia, are you there? Ouais, bon, c'est bon, alors arrête de faire ta victime. On va arrêter de lui parler, elle veut pas nous parler. Anyway. Ouais, ouais, non, mais c'est bon, arrête de faire ta victime, elle veut plus de nous. Ah, yeah. Voilà. Ça suce, hein. À défaut de Mia. Alors, on parle bien sûr des sangsues. Donc, what? C'est trop... Ah oui. Ah oui, donc c'est comme ça ici. C'est vraiment le climat, il change d'un coup, quoi. C'est... Ah, c'est pas mal, hein. Hop! Dans ta gueule! Qu'est-ce que tu dis de ça? Eh ben alors? Oh, un serpent. J'adore. Hop! Ça dégage. Ah, je suis le roi de la jungle. Hein. Ah, j'espère que ma copine est fière de moi. Hein. J'espère que ma copine se dit... Ah! Avec Mkolo, on est en sécurité dans l'Amazonie. Hein. Ah, on va faire un petit road trip, les gars, moi je vous le dis. Hein. On va faire un petit vlog. On va faire un petit vlog en Amazonie. Pas de place dans le sac à dos. Bah. Bah les gars, c'est complètement con. Évidemment que je vais continuer de te chercher, même si tout le monde se fout de ma gueule, visiblement. Help is on the way. Come in. Oh non, mais elle s'en fout là, elle est bien, elle est avec un nouveau mec là, je sais pas ce qui se passe. Non, je rigole, en fait, je pense qu'elle est vraiment dans le mal. Mais voilà, c'est assez particulier. Ah, c'est compliqué. Ah bah, je suis mort. D'accord, ok, donc comme ça, tué par un. Ok. Voilà, bon bah, c'est génial. Ah. Ah, c'est mignon. Ouais, alors là, c'était peut-être pas. Vite dans l'eau, vite dans l'eau. Ah là 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 là. Quel échec. Un nid d'abeilles. Nickel, je suis mort. Allez. Bonne soirée, je me suis évanoui. Oh, c'est chamboulant. Oh, c'est chamboulant de ouf. Ah bah ouais, c'est clair, Mia, elle me cache des choses. Bah évidemment. Putain, elle voulait juste pas me le dire parce que bah c'est compliqué. Oh là, c'est compliqué parce que d'un côté, c'est presque égoïste, tu vois. Parce que du coup, si on est là, c'est pour lui trouver un remède, mais je le savais même pas que c'était pour elle. Oh, fuck you, my chef. Bon alors mon pote, tu veux régler mes comptes, mais là tu t'es un peu dans un sale état, hein. Puis déjà par le meilleur de ma femme. Bon, on s'en fout des petits champignons, j'en ai encore sur moi. Je parle pas des champignons à mes pieds, hein, bien évidemment. Mia, I found the lambda location and it looks nothing like our tent. Then what is it? Bah qu'est-ce que j'en sais moi, on dirait un lieu de culte. Génial, j'ai plus de feu. Allez, le feu il s'est détruit et il pleut plus. Non mais ce jeu me troll, hein. Il ne pleut plus. Ce jeu me troll, vraiment. En vrai, je me débrouille bien, on est bien niveau santé, donc faut juste faire attention, quoi. Mince, pardon, excusez-moi, hein, c'était pour voir si j'avais de la force. Oh, il y a un sanglier, putain. Il y a un putain de sanglier. Bah lui, je le one-shot pas avec mon bout de bois. Hein. Ah, il y en a plusieurs. Oh ouais, il y a au moins 3 sangliers devant moi, là. Ah ouais. Eh bah les gars, moi j'ai pas encore mon diplôme pour faire de la chasse. Écoutez, j'ai passé par là, bonjour. Voilà, bonsoir. Voilà, alors toi mon pote, t'as voulu me croquer, c'est moi qui te croque. Oh, un crabe, excellent. Ah, il a peur. Capitaine Krabs. Oh, regardez, ils sont mignons. Attendez les gars, il y a bien un tronc d'arbre là. Ah, voilà. Ah non. Fais chier. Je me suis fait piquer, je vais mourir encore, j'ai de la fièvre. J'ai des antidouleurs par contre les gars. Là, antidouleurs, je mange. Eh ben voilà. Eh ben j'ai plus de problème. Regardez, j'ai plus rien.
Allez, terminé. C'est bon ça. J'ai pris un antidouleur et j'ai plus de plaies. Ouais, ça c'est pas très réaliste, mais enfin, c'est pas grave. Les gars, si jamais vous vous faites mordre, eh ben n'hésitez pas à manger, enfin à prendre un petit médoc, et je vous jure, la plaie elle s'enlève. Hein. Ah bah c'est sur Grinnell que ça se passe comme ça, donc je suis un professionnel de la survie. Hein. Ah vraiment, si vous voulez partir en aventure avec moi, enfin disons, si vous voulez partir dans la forêt amazonienne, appelez-moi. Voilà, je suis mort 10 fois environ, donc je sais à peu près les dangers. Et puis encore une fois, si vous avez des plaies, bah vous prenez des calmants et puis vous allez voir, ça disparaît d'un coup. Hein. Cinquième liane. Voilà. Grosse dédicace à toutes les femmes qui s'appellent Eliane, bien évidemment. Si votre maman s'appelle Eliane, eh bien, passez-lui le bonjour de ma part. Attendez. Vous vous foutez de moi? Oh. Se foutent de moi? Ah, je commence à prendre un accent du sud. Bonjour. Je me suis perdu. C'est ici l'appareil Games Week? C'était Mkolo, rendez-vous très vite, tais-toi toi je parle, rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos, c'était Mkolo.